Bonjour à tous, très enchantée de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc voilà, non je rigole. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on est en présence de ma petite gossip. Et avance-toi toi, tu vas te faire mal. Viens là, allez ma puce, hop, voilà. On se retrouve avec ma petite gossip car aujourd'hui nous allons faire une grande première avec elle. Donc nous allons la faire sauter, voilà, j'ai eu envie de la faire sauter aujourd'hui, voir comment elle se débrouille au saut. Et là, je suis en train de la préparer et au moins, ça va me permettre de pouvoir vous parler avant de vous montrer les sauts. Voilà, donc je vais la panser et tout, la préparer tranquillement et j'ai deux, trois petites choses à vous dire. Tout d'abord, j'aimerais vous parler de ce week-end parce qu'on arrive au week-end de Pâques. Et qui dit week-end de Pâques, bah dit que je suis en déplacement parce qu'il y a le salon du cheval de Belgique. Pardon ma chérie. Il y a le salon du cheval de Belgique, donc le Wallonie et Castres Event, où je suis conviée et où je viens bien évidemment parce que moi j'habite en Lorraine donc je suis proche de la Belgique. Cependant je vous avais dit que je serai là les 3 jours, donc lundi, samedi, dimanche, lundi. Or il y a un petit changement de programme, je serai présente que le samedi et le lundi car tout simplement dimanche vu que c'est Pâques, je reste en Belgique mais je reste chez ma sœur là où je dors pour simplement faire Pâques. Car vu qu'il y a de la famille, il y a ma mère, ma sœur qui viennent en Belgique, bien du coup je reste avec eux le dimanche pour fêter Pâques. Je viendrai peut-être le soir, je sais pas encore, parce que le soir il y a le grand spectacle où je suis également conviée. Je sais pas encore, mais je sais qu'il y avait des abonnés qui venaient le dimanche. Et pour le coup je suis un peu désolée parce qu'on se verra peut-être pas forcément. Bah du moins si vous venez que dimanche on se verra pas. La journée, c'est prévu que je ne vienne pas. Le soir, je ne sais pas encore. Donc voilà. Mais sinon, les deux autres jours, donc samedi et dimanche, je serai bien évidemment... Hop, il y a là ma puce. Hop, avance. Je serai bien évidemment là. Donc, petit récapitulatif, samedi 15h au stand du cheval de trait. Donc on aura le premier meet-up où nous sommes 5, je crois. 5 youtubeuses. Et lundi à 11h, même endroit, pour le deuxième meet-up. Donc voilà, moi je serai présente les deux jours là. Donc si vous me voyez dans les allées, bah, bien évidemment, n'hésitez pas à venir me faire coucou. Ouh, je vais tomber. Je suis venue là pour ça, pour vous voir. Donc ce serait dommage que vous me loupiez, parce que vous avez peur de venir me voir. Je ne mange pas, hein, vous pouvez venir me voir sans problème. Je viens exprès pour vous, parce que de base, je ne me serais pas déplacée autant de jours... au salon, je serais peut-être venue juste un seul jour, mais pas les deux jours de meet-up, quoi. J'aimerais également vous parler de... que vous avez vu qu'il y a peut-être moins de vidéos en ce moment. Encore une fois, ça ne m'étonne pas de ma part. Tout simplement, pas pour des mauvaises choses. En ce moment, il y a pas mal de bonnes choses qui se passent dans ma vie, mais qui du coup font que je suis un peu moins sur mes vidéos. Donc... j'ai eu plusieurs bonnes nouvelles, donc il y en a que ça, vous en parlerez pas parce que ça vous concerne pas du tout, c'est plus ma vie personnelle. Mais il y en a deux, dont une que je vous parlerai pas maintenant, vous le verrez d'ici quelques mois. Mais pour celle que je vais vous parler, c'est tout simplement que j'ai trouvé mon job d'été. Donc cet été, je vais bien pouvoir travailler parce que je termine mon BTS mi-mai. Donc après, je suis en vacances. Du coup, j'ai trouvé du travail, mais qui veut dire trouver du travail dit que je n'ai pas de vacances. Donc je ne pourrai pas faire autant de vidéos que ce que je l'aurais prévu pour cet été, malheureusement. Donc pour vous, en fait, ça vous arrange pas trop. Mais pour moi, personnellement, c'est une bonne nouvelle parce qu'il me faut de l'argent. Car j'ai pour projet de racheter une voiture. Donc voilà. Hop. Et sinon, je ne sais pas si vous avez vu. Voilà, son joli pote et l'école. En moumoute de la salle équestriale. Et également, si vous ne l'avez pas vu, ça fait presque plus d'une semaine que j'ai mis un jeu concours sur Facebook. Donc pour ceux qui auraient Facebook et qui ne l'auraient pas vu, allez sur mon compte. Il y a un jeu concours où vous pouvez gagner un des licols que j'ai reçu, donc le bleu turquoise, le bordeaux ou le bleu roi ou bleu électrique, je ne sais plus comment c'est la couleur. Mais vous pouvez en gagner un, donc n'hésitez pas si ça vous arrange. Hop, pas d'écho de lustrant, ma chérie. Hop là. Hop.
Et on va être prêt pour partir pour la petite séance. J'attends que ça sèche. Voilà. Bon, je vais passer un petit coup de petite brosse douce. Elle met où? Hop. Mais arrête de tirer comme ça, Loulou. Ravance-toi. Merci. Elle a du mal à avoir perdre son poil d'hiver, c'est pas possible. Hein? Maman nounouille. Maman nounouille d'amour. Maman nounouille d'amour. Et voilà, on est prêt. C'est parti. Oh, c'est charmant. T'abuses, gossip. Bravo, c'est très élégant pour une fille. Évidemment, avant de commencer quoi que ce soit, un petit tour de linge, oui mademoiselle. On va revoir un peu malgré qu'elle comprend, mais au moins pour faire un peu d'échauffement. Et après, j'irai sortir mon obstacle qui est rangé. Pour une fois que je le range, bah, j'en ai besoin dans la foulée. Voilà. Viens là, ma fille. Viens voir maman. Oui, oui, c'est toi que j'appelle. C'est toi que j'appelle. Elle est où, l'ado? Elle est où, là? Attends, bouge pas. Voilà, ma fille. Hop. Alors, oui, la dernière fois, je me suis fait disputer parce que j'ai pas mis la longe en S. Voilà. Elle est en S maintenant. On me dispute plus. Allez, on n'oublie pas, lundi, c'est l'anniversaire de Gossip. Ma nénette aura 3 ans. Allez, Gossip. Hop. Allez, voilà. Oui, ma nénette aura 3 ans, voilà. Et le lendemain, le mardi, vous n'oubliez pas, c'est Golden. Voilà, moi, c'est, ce qui est bien, c'est que c'est dans la foulée, les anniversaires. Au moins, je me ruine une seule fois. Et après, basta, plus besoin. Non, après, il y a en août pour Bibi. Mais n'oubliez pas, lundi, c'est l'anniversaire de ma chérie d'amour. Et moi, je serai où? Je serai au salon du cheval de Belgique. Voilà, je serai même pas avec ma chérie. Oh, pas. 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 Mais Golden, l'appelle pas! Maintenant, mon objectif, c'est de la faire avancer sans longe. Parce que mon but, c'est vraiment la faire sauter en liberté. Et non pas avoir la longe. Personnellement, j'aime pas. J'y arrive pas parce que déjà, après les chandeliers, j'arrive toujours à me coincer la longe. Donc, je fais tout tomber. Donc, je préfère qu'elle apprenne toute seule à y aller, en fait. Allez, ma fille. Hop. Du coup, là, je la prends déjà à bien avancer. À ne pas qu'elle attende comme ça sur la porte, parce que vu qu'elle est en liberté, non, allez, dépêche-toi. Vu qu'elle est en liberté, bah pour elle, elle pense qu'elle peut faire beaucoup plus de choses. Du coup, je lui fais comprendre qu'elle n'a pas à s'arrêter près de la porte. Du coup, voilà, c'est vraiment mon objectif pour qu'ensuite, après, on commence à mettre des petites barres au sol. Vraiment, aujourd'hui, elle va pas sauter des choses extraordinaires. Hein. Ça, vous attendez pas à un saut immense. Si encore j'arrive à mettre 10 cm à la fin, ce sera super. Parce que la louloute, j'ai pas envie vraiment de lui faire peur avec ça. Je vais vraiment découvrir si vraiment elle aborde plutôt bien les choses ou s'il faut vraiment pratiquer d'une autre manière. Hop, changement, changement. Bien, ma fille, c'est bien. C'est bien, allez hop, hop, on y va, fille, c'est bien, hop, allez ma fille, non, non, hé, doucement, voilà, c'est bien, dis stop, voilà, c'est bien ma fille, c'est bien, donc là, je vais aller chercher les barres, et on est parti.
Du coup, prochain exercice, ce sera bien évidemment les barres au sol. Donc là, j'en ai pris que deux, c'est vraiment pour qu'elle appréhende. On voit qu'elles sont un tout petit peu en hauteur parce que mon terrain n'est pas totalement droit. Et c'est tellement élégant. Vous ne voyez pas d'où vous êtes, mais elle est encore en train de faire caca. Alors elle nous fait un pipi, maintenant c'est un caca. On peut commencer ? T'es prête ? Donc voilà, c'est un tout petit peu haut parce que mon terrain n'est pas vraiment droit. Mais au moins, elle va appréhender. Et après, je pense que je les ferai sauter une ou deux fois avec mon obstacle. Et on arrêtera là, ce sera bien. Mais elle commence, elle apprend vite, hein, Gossip. Là, déjà en liberté, elle a plutôt bien compris la chose. Donc on va voir tout de suite avec les barres. Allez, hop ! Allez, Gossip ! On y go. Hop. Hop. Oui, c'est bien, Louzout. Allez. C'est bien. Oh, oui. Gossip, changement. C'est ta crotte. Allez. Hop. Allez, hop. Allez, on y go. Oui, allez, on se bouge un peu. Hop. Allez, on saute, coupe un peu son popotin. T'es pas assez dynamique, là. Tu bouges tes fesses, maintenant. Voilà. Hop. Ouais, c'est bien. C'est bien, ma fille. C'est bien. Hop. Oui. Arrête. Yala. C'est bien, ma fille. Mais t'arrêtes pas non plus n'importe où. C'est bien, ma chérie. Viens, ma petite fille. Hé, elle se débrouille bien, ma chérie. On va essayer un petit obstacle et on arrête. On va bien travailler déjà. Je vous jure, elle est en train de me maudire intérieurement. Hein, ma chérie ? Oh oui, elle va se dire, c'est quoi cette monstre ? C'est quoi ce monstre qui me fait travailler ? Hein ? Allez, on y go. Nous voici avec l'obstacle de la peur. Youhou ! Quoi ? Ça doit faire quoi, là ? Ça doit faire quoi ? 10-15 cm, même pas ? On va voir comment la nouille ! On va se débrouiller. T'es prête, ma louloute ? On y go ? On essaye ? Allez, on essaye. Oui ! C'est bien, ma fille ! Allez ! Bon ! Oh non, ça, c'est de la triche ! C'est de la triche ! Oui, c'est de la triche ! Allez, l'autre sens ! Non, je veux de l'autre sens. Et pas sur le côté, t'as pas le droit. Putain, faut que je mette quelque chose ici. C'est de la triche, Gossip, ce que tu viens de faire. Hop. Voilà. Là, elle est obligée d'y aller. Hop. Voilà. T'arrives à faire tomber. Nouille. Allez, on recommence une dernière fois. Elle a quelque chose de plus bas, ici, mais Gossip saute là. Donc ça veut dire qu'elle sait sauter ça. Donc pourquoi sans kikiner elle laissait ça alors qu'on peut faire ça. Maintenant, nous allons voir comment elle va se débrouiller. Je vous avoue un truc. J'ai vraiment envie de tenter plus haut. Mais je sais pas si c'est bon de tester plus haut. Mais elle a les capacités. Là, elle m'a juste fait tomber une fois l'obstacle. Et sinon, elle y est arrivée. Donc j'ai vraiment envie de tenter. On va tenter. Je vais y arriver. Bon. Ma foi, ça va être encore de la même taille, je trouve. C'est pas... pas archi haut, à moins qu'elle aille quand même sur le côté. On va voir.
crois qu'on va s'arrêter là. Elle m'a fait un super beau travail, ma chérie. C'est bien. Tu veux mon bébé? Mon bébé. Elle a un petit coup de saut, mais elle a du mal avec ses postérieurs. Seule chose que je vois, c'est vraiment les postérieurs qu'elle lève pas assez. Bon, après, ça a travaillé, hein. C'est la première fois qu'elle saute, mais je trouve qu'elle a du mal. Bilbao, lui, il arrive très bien à lever ses postérieurs. Mais elle m'a fait du très bon travail pour une première. Elle apprend très vite. Je suis super contente. Hein, ma chérie? Bon, bah oui, on va te laisser. Hein. On va te laisser, ma chérie. Bon, bah, on va vous laisser. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve dans une prochaine et d'ici là, portez-vous bien.